Bonjour, je vous présente ici le dernier brevet du Dr Paul Herzog, la Vita A Combine 1. C'est une association judicieuse entre 1% d'oxygène et de la vitamine A. Contenant de l'oxygène, cette crème doit être appliquée matin et soir à l'aide de ce petit pinceau en une fine couche ou avec vos doigts en l'étalant ainsi mais sans masser. Il est très important de ne pas masser. Pourquoi ? Nous avons dans nos mains 3 fois plus de pores que sur le reste du corps. L'oxygène y pénètre donc 3 fois plus vite, n'agissant pas à l'endroit concerné. Ce serait dommage. L'oxygène pousse la vitamine A sous la peau et l'acidifie, apportant ainsi la matière première indispensable à la fabrication du collagène et donc un effet anti-rides incontestable. Après 3 minutes d'application, vous ne devriez plus revoir de crème. S'il y en avait encore, n'hésitez pas à l'étaler en la rinçant. Pour les peaux très sèches, je recommande d'utiliser une crème de confort et de protection par-dessus la Vita A Combine pendant les temps de normalisation de cette peau, en utilisant par exemple Additional Sweet, Additional Day ou encore Vitamine H. Cela permet un plus grand confort et une plus grande élasticité. Par la suite, votre peau se normalisera. Vita A Combine, c'est l'innovation des laboratoires du Dr Paul Herzog. C'est le dernier brevet qui a permis d'acidifier la vitamine A sous la peau pour des effets anti-rides absolument exceptionnels dans le milieu de la cosmétique.